Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Jenna Jules. Aujourd'hui, je vais vous faire un DIY homemade. Alors, quelque chose d'hyper simple. Il s'agit de réaliser un gel à sourcils pour les maintenir en forme, enfin dans la forme que vous souhaitez. Parce que c'est vrai que des fois, on a les. Même après un réveil, on a les sourcils qui sont un petit peu. En pagaille ou en broussaille, c'est comme vous voulez. Donc, on va réaliser un gel pour sourcils. C'est simple, il vous faut donc un contenant mascara avec la brosse. Hein. Vous désinfectez bien tous les ustensiles, vous lavez les mains juste avant hein, avec de l'alcool. C'est vraiment formidable et en plus, elle est saine. Donc, ça vient d'une plante grasse, cactus, hein, un genre de cactus. Donc voilà, le gel d'aloe vera est connu pour ses multiples propriétés sur la peau, notamment pour ses vertus apaisantes et cicatrisantes, acné, piqûres d'insectes, feu du rasoir, brûlures. Il est également hydratant et nourrissant, purifiant et régénérant. Enfin, ça, c'est toutes les propriétés, astringent et raffermissant. Très utile pour les peaux fatiguées. Et pour réguler les excès de sébum. Donc c'est bien pour les peaux mixtes à grasse. Hein, et je vous dis, c'est un excellent tenseur en même temps. Alors il est adoucissant. Et puis, pardon, le gel d'aloe vera peut s'utiliser seul sur la peau. Moi, ça m'arrive de temps en temps de le faire. C'est vraiment, c'est frais, c'est super agréable. Donc voilà, le gel d'aloe vera, j'ai pas les prix parce que comme il est en rupture de stock chez Aromazone, de toute façon ça dure jamais longtemps, ils réapprovisionnent leur stock. Là moi j'avais 250 ml, donc c'est un grand format. Il existe en 100 ml et c'est pas bien cher, hein, c'est 5, aux alentours de 5-6 euros, quelque chose comme ça quoi. Donc voilà. Au préalable, enlevez la petite opercule. Qui sert en fait lorsque au passage de la brosse, ça évite de dégouliner de partout. Donc là, vous l'enlevez parce que le matin en gel lissant sur la peau, c'est vraiment c'est hydratant, c'est super, c'est un élixir de jeunesse ce truc-là. Donc on va procéder tout de suite au transvasage de. Enfin, je vais remplir mon petit contenant. Vous voyez, c'est un gel qui est gluant. Voilà. Regardez. Je sais pas si on voit quelque chose. C'est pas gras. Donc vous appliquerez ça sur vos sourcils. Voilà. La mise en peau est assez fastidieuse. Je vois, c'est un peu mieux. Méfiez-vous parce que c'est transparent, donc pour voir le niveau. Là, ça se remplit. Ça va être bon avec ma brosse là, ça dégouline. Et on n'oublie pas à la fin de remettre son petit opercule. Voilà. Si vous n'avez pas de contenant, vous pouvez en trouver sur Aromazone. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà pour ce gel à sourcils. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.